Jovenel Moïse installé 9 nouveaux membres du Conseil électoral provisoire à hier après-midi dans le Palais national, malgré qu'il n'y a pas arrivé prêté serment devant la Cour cassation à cause du quorum qui n'a pas gagné dans la Cour avec divergence juge sous dossier SILA, d'après un représentant la Cour cassation. Gagné tout COPA qui c'est conférence pasteur haïtien eux-mêmes, ben ils prennent distance li là avec pasteur Guy Roméus et il dit qui représentait conseil alors qui représentait secteur protestant dans conseil électoral provisoire. Donc COPA fait qu'on est et bien c'est plutôt un politicien qui proche et gouvernement qui intégré Conseil électoral provisoire, mais ce n'est pas un représentant secteur protestant. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, nous avons invité vous, comme d'habitude, continuez à brancher, continuez à abonner à la canal Sans Fausse Côté, de manière à ce que nous capable continuer à porter bon genre d'informations frais, claires, coup de corps pour vous-même qui abonnez déjà, nous remercions. Vous-même qui beaucoup abonné, nous avons invité vous à faire ça. De manière à ce que chaque nouvelle vidéo nous publiée, la privée joue nous de façon automatique. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, Jean nous annoncé au lit, président Jovenel Moïse installé hier après-midi dans le Palais national, 9 membres, nouveau conseil électoral provisoire, sans y'a pas prêté serment. Et comme yo toujours qu'on fait ça, c'est habitude, yo pas prêté serment, eh bien, devant la Cour cassation, puisque d'après, juge Yun, vice-président et la Cour, eh bien, t'es gagné divergence en différents juges, mais qui t'es doué, eh bien, fait séance ça, d'après vice-président et la Cour, maître Jean-Claude Théogène. Après cérémonie ça lui-même il était cérémonie prestation seulement 9 membres KEP ont fin échoué et dans la Cour cassation et eh ben ont prend route direct ont abouti dans Palais national côté président Jovenel Moïse chef l'état haïtien lui-même il était fait cérémonie ici là côté il était installé 9 membres nouveau conseil électoral provisoire. Président Jovenel Moïse, lui-même, dans l'intervention, eh bien, lui fait qu'on est, lui prend engagement pour ne pas interférer dans le travail conseil électoral provisoire, pendant qu'il a baillé tout ce qui est nécessaire pour faire le travail. Eh bien, chef l'État a demandé la police pour que lui baille, eh bien, tout membre conseil électoral provisoire et sécurité. Li mande tout à la justice pour prendre en compte toute menace eh bien, et même conseil électoral ça même il a recevoir tout partout. Nous invitons à écouter président Jovenel Moïse. Je suis donc heureux aujourd'hui de procéder à l'installation de ce conseil électoral provisoire. C'est dans un contexte particulièrement difficile que vous avez pris la décision de servir la République. En acceptant de devenir membre de ce conseil électoral, vous faites un acte de courage pour lequel la République vous sera éternellement reconnaissante. Je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission. Dans la conjoncture actuelle, votre tâche sera délicate et même périlleuse. Le devoir vous commande à être neutre, impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre. Vous ne serez pas exempt des velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place. Aussi, je prends l'engagement solennel en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du
du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. Je demande au ministre de la Justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux, par voie de presse et autres. Il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. Dans le niveau communauté internationale, là, le support que nous connaissons, il y a des organismes qui toujours baillent. Il faut travailler pour que résultat élection, yo connaît yo quelques heures avant, après l'élection finie. Moi, je dis, moi, victime de lui, je ne suis pas d'accord. On l'autre candidat victime de ça. C'est après quelques heures, élection finie faite, faut tout le monde qu'on tendance, pas du résultat définitif. Tendance, vote yo. Même j'en ai fait dans tout le pays, faut résultat partiel élection yo, yo va lever demain matin. Patrick Numa, lui-même, qui c'est représentant, il dit qu'il représentait secteur et syndical là, non, et conseil électoral provisoire. Eh bien, monsieur te prend la parole, et c'est lui qui te parlé, non, neuf autres membres conseil électoral provisoire, tout neuf là. Eh bien, monsieur dit, libéral fait une élection libre avec démocratique, nous invitons au côté. Ce collège entend assumer dans la stricte indépendance, la responsabilité de doter le pays des élus issus d'un scrutin loyal et encourage les jeunes et les femmes à comprendre l'enjeu que représente la tenue des élections impartiales dans la formulation des stratégies visant la réduction des inégalités sociales pour un nouveau pacte républicain. Les nous parler, côté nous dit par un doute que le Conseil ça par des missions pour préparer l'élection, c'est que nous avons organisé une élection en transparence qui a rendu honnête, crédible, démocratie. Jean nous dit déjà, auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, neuf membres conseil électoral provisoire, pacte rivé, prêté serment devant la Cour cassation, comme ça toujours qu'on fait, eh bien, à cause divergence l'idée qui te gagné non, parmi juges qui gagnent non la Cour. D'après sa maître Jean-Claude et Théogène, lui-même qui est vice-président de la Cour, lui-même lui fait connaître, donc 5 juges qui étaient présents dans la Cour et pour te, disons, et faire cérémonie ici là. Donc c'était Jean-Claude Théogène, il était gagné Jean-Joseph Lebrun, Kessner Michel Termesi, Wendell Coctello avec Barthélemy Anténor. Donc c'est parmi ces 5 juges ça eux-mêmes qui étaient doués faire cérémonie, mais il y a une divergence entre eux, ils pas doué et bien bagarre la même gens et c'est raison ça qui fait qu'on n'a devine infimé malgré te gagné plusieurs autres gros activités dans Baroua Aye dans la Cour cassation. Donc, nous invitons à écouter déclaration vice-président de la Cour, Jean-Claude Théogène. Je vais l'inviter du ministère public, l'arrêté de nomination du Conseil électoral provisoire, la lettre du ministère de la Justice adressée au président et vice-président de la Cour de la République et après en avoir délibéré, attendu qu'il y a eu contrariété d'opinion à
attendu qu'il y a une divergence d'opinion entre les juges, et pour que le quorum soit atteint, ce soit la prestation de serment des membres du Conseil, ce peut permettre d'atteindre le quorum nécessaire à la décision de la Cour. Renvoie la prestation et fixe la continuation pour être fait ce que de droit. Plus il y a des à l'ordre du jour, la Cour ferme l'audience et lève le siège. N'a pas souligné pour vous, auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, Fédération Barreau d'Haïti, eh bien, avec plaisir, organisation Cap défend droit moun, eh bien, t'es écrit la Cour cassation pour demander pour le pas recevoir prestation et seulement 9 membres Conseil électoral provisoire ça. Yo jugé qui fait des dos la loi. Donc Fédération Baroyo félicite Tetli pour être bien la Cour lui-même la Cour cassation pas validé et bien et 9 membres Conseil électoral provisoire si là. Donc il dit ça montrer et bien pays a gagné moun là-dedans toujours qui capable pays a capable compter sur yo d'après maître Robinson Pierre-Louis qui c'est secrétaire général Fédération Baroyo nous invite au côté. Au niveau fédération, si enfin il y a des hommes encore dans ce pays, il y a des hommes et des femmes dans ce pays sur qui on peut compter, on peut espérer parce que les délivres, ou pas besoin qu'on ait, ou si il y a un encore qui compte sur eux, et comme de fait, la Cour de cassation a pris en considération la note ou bien l'opposition, je dirais, de la Fédération des Barreaux. Et ça, c'est une grande première. Et ça a aussi témoigné que moun gen espoir encore pour le pays, et nous croyons encore, et la vie a tourné dans le pays. Et moi-même, personnellement, j'étais très offusqué par rapport à la position que l'exécutif là pour agir dans façon d'agir en violation flagrante de la Constitution pour une énième fois. Et me dit que ça va continuer. Sinon, est-ce que tout le monde est obligé ou bien on ou bien parti, il va faire ça. Et il y a plusieurs bâtonniers qui sont en relais dans différentes juridictions. Personnellement, un relais pour dire félicitations parce que il y aurait que encore des mondes de courage, la cassation a eu le courage de freiner l'exécutif dans témérité libre. Donc bah, c'est très bien. Par contre, combien de temps ça prend, par contre qui ça. Moi-même, normalement, exécutif là, les liens doivent mener le pays jusqu'à présent dans la question politique, mais il faut le faire selon les normes, selon les règles établies par la Constitution. Faut que nous disions réaction yo, pas suspendre tomber après chef l'État, eh bien, et divers secteurs dans la société a estimé, eh bien, c'est une décision unilatérale chef l'État prend pour que lui mette campé un conseil électoral provisoire pour contre lui, alors que 21 conseil électoral provisoire passé avant, eh bien, c'est dans consensus yo joine, eh bien, entente pour mettre et tout 21 conseil électoral provisoire ça yo à cause d'après sa constitution a dit et bien c'est 3 secteurs, c'est exécutif, c'est judiciaire et puis avec parlement pour yo joindre membre conseil électoral, 9 membres conseil électoral provisoire étant donné et toute institution pas disponible. Donc c'est dans consensus avec toute société a conseil électoral là lui-même l'été doué choisi. Donc conférence pasteur haïtien yo et COPA qui lui-même est désapprouvé nouveau conseil électoral provisoire ça disons avec pasteur Guy Roméus lui-même yo dit qui représente secteur protestant dans conseil électoral provisoire. Et bien faut que nous dire pasteur Ernst Pierre Vincent qui lui-même c'est président et COPA qui c'est conférence pasteur haïtien yo lui dénoncé. Et monsieur, alors pasteur Guy Roméus, il dit que c'est un politicien qui représentait, eh bien, un parti politique qui proche pouvoir, non, et conseil électoral là, mais non, c'est pas secteur protestant, lui représentait. Donc, pasteur Ernst Pierre Vincent, il dénonçait tout, menace, pays États-Unis, eh bien, qui lui-même cap fait ingérence dans les affaires internes pays d'Haïti. Dans le même sens, là, il y a tout combat organisation politique populaire avec syndicale qui dénonçait, eh bien, et conseil électoral provisoire ça, avec ingérence tout autorité américaine, yo, yo même y a fait dans les affaires politiques pays d'Haïti. Guy Numa, yon nan responsable combat là, lui-même, lui fait connaître,
mais pas gen aucune élection qui capable organiser dans pays d'Haïti dans crise nou yé là. Guinuma rappelé mandat chef l'État li about le 7 février 2021. Donc nous invitons côté youn après l'autre pasteur Ernst Pierre Vincent de Copa avec Guinuma lui-même li qui c'est représentant combite organisation populaire ak syndicale politique ak syndicale. Ou pas capable d'avoir un conseil électoral provisoire, mandat pour lui organiser référendum sous la constitution qui dit que ou pas droit à modifier lui, ou pas droit à amender lui par voie référendaire. Nous constatons tout le président a une volonté pour continuer à craser l'institution en d'un pays. Il y a volonté président pour lui baigner dans question illégalité et inconstitutionnalité. Les cultes réformés, ils n'ont pas rien à voir avec les gens qui soient disant représentés dans le conseil électoral provisoire. Parce que pas de aucune consultation qui était faite dans le niveau secteur protestant en particulier. Parce que lorsque on dit culte réformé, ou gagne les églises protestantes et vous gagnez les églises épiscopales. Et bien, malheureusement, pas de consultation. C'est un choix qui fait d'une manière unilatérale ou bien c'est un choix qui fait par le président et ses alliés. Pasteur Guy Roméus, c'est un monde que moi connais plus de 20 ans, moi connais dans le secteur, mais moi connais tout comme un monde qui fait partie du consortium parti politique. Ils ont profité de petit pasteur que M. Guy Roméus gagne pour désigner dans le conseil électoral provisoire. Autrement dit, M. Guy Roméus n'est pas représenté culte réformé, il est représenté un parti politique en dans le conseil électoral provisoire, mais sous non culte réformé, parce que tout simplement, il gagne titre pasteur. Donc, pas qu'à espérer rien de lui, parce que c'est une institution qui monte d'une manière illégal, n'a demandé toute force vive pays, ça y'a qui dans la société civile, là, ça y'a qui dans le parti politique, yo, pour yo faire en sorte que yo fait échec à plan, ça, moment ça a été très fragile, parce que le président dit n'importe qui campé sur route, li, a bien accès, qu'a fait la force, yo, aller sous côté, et puis qu'il y a l'ambassade, qu'a fait menace, a bien sanction, qu'a pris contre monde, nous pas contre qui genre de sanction, y'a bien, nous pas connaître si accident, c'est pas assassinat politique, moment très difficile, mais nous demander que, pour tout le monde prend courage, yo, à demain, moun qui pas d'accord moun kap en face, yon pas jamais arriver tuer tout 11 millions ou 12 millions haïtiens qui vivent dans le pays. Yon pas jamais capable arriver mettre tout moun qui ose dire non à l'arbitraire, tout moun qui ose dire non à l'inconstitutionnalité, tout moun qui ose dire non à l'illégalité, yon pas jamais capable mettre tout dans prison, yon pas jamais capable faire tout marron. Dénoncer comportement colon et raciste département d'État et ambassade américaine. Si on était président, on était président, on pillé une richesse. Nous sommes songés depuis l'heure débarqué, 17 décembre 1914, avant l'occupation, était maintenu sous réserve de la banque centrale. Impérialiste américain qui a pu être président, qui a pu mettre CEP, qui a bail résultat élection. Ambassade américaine menacé tout le monde qui a campé en foi contre l'élection, même yo voulait faire dans le pays pour mettre président par eux, restaurant. Avec qui pour mener bas pays à pour qui toujours gérant. Nous-mêmes, nous avons dit que nous dénoncer le comportement colon raciste, l'ambassade américaine a fait. Et nous demandons aux Haïtiens pour lever camper pour empêcher la mafia qui nous fait payer, pour empêcher un pays à l'Israël américain de continuer à faire ça au titre de pays. Nous ne pouvons pas prendre aucune pression, aucun chantage. C'est un peu ça, l'ambassade américaine, nous venons de camper, soi-disant pour faire élection. C'est pour ça que nous avons fait élection. En Haïti, c'est un CEP qui va faire élection 3 novembre aux États-Unis. CEP ça par exemple faire élection en Haïti, CEP américain, les CEP ambassade américaine, elles sont CEP illégales, sont CEP anticonstitutionnelles, CEP ça pas de responsabilité pour faire élection en Haïti. L'autre information, protecteur adjoint et protection citoyenne, Amos André, directrice en après et institution, Yolande Moyard Joseph. Avec directeur promotion avec communication office et protecteur citoyen yo Jacques Desrosiers était installé dans Postio dans nouvelle et Postio nouvelle fonction yo ailleurs et disons ailleurs Madia dans Port-au-Prince. Donc c'est protecteur citoyen maître Renan Edouville lui-même qui était fait installation ça mais qui mandé yo li dit la tonne en pile de yo dans cadre et dans cadre fonction yo. L'autre information et ben gagné yon sikile et qui relait 114-2 Banque Nationale République d'Haïti a te mette de yo ça gagne environ 2 mois côté yo te dit désormais tout transfert qui sorti à l'étranger et même bureau transfert ça yo dans pays d'Haïti à banque yo
doué remettre l'argent ça en good à moun l'argent vinn à mettre l'argent. Eh bien, et yo tourné avec dossier ça encore, BRH tourné avec dossier ça encore. Eh bien, et à li dossier ça, yo a mettel en application, la rentrer en application dans date 1er octobre cap vinnien. Donc à partir de 1er octobre, quel que soit l'argent, quel que soit montant l'argent ou gagné qui sorti à l'étranger, eh bien c'est en good et banque ou bien bureau transfert yo a remettre l'argent ça. Et une seule condition ou capable recevoir l'argent ça en dollars, c'est si ou gagné un compte et dépôt, eh bien nan yon banque ou bien nan yon nan institution commerciale sa yo que ou ta gagné compte ça en dollars pour déposer l'argent. C'est sous li y a déposé pour ou, c'est seule condition capable recevoir dollars américains qui sorti à l'étranger. Gouvernement et haïtien avec secteur privé a et secteur privé affaire joignent une entente bien sûr question pour tout business avec maison et commerce qui produit bien et service dans pays d'Haïti. Et bien pour afficher et prix en good et non en dollars, j'en sais qu'on fait avant. Donc dans sens ça gagné un mémorandum qui signé hier entre l'État haïtien avec secteur privé affaire dans résidence premier ministre Joseph Jout dans Musso hier mardi. Auditeurs, téléspectateurs, chers internautes, c'est là nous camper avec édition nouvelle ça, c'était Zanmi Ofrèr Metinfo qui t'a servi nous.